Salut à tous! Aujourd'hui, je réponds à la question con de Bliwan, combien de bougies faut-il pour faire bouillir de l'eau? Parce que bon, c'est mignon la technologie, les plaques électriques, les réchauds et tout ce merdier, mais est-ce que finalement, une ou plusieurs bougies ne feraient pas aussi l'affaire? On va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors pour cet LQC, j'ai besoin d'un thermomètre, d'une casserole avec un peu d'eau, et surtout, deux bougies. Bon, ça va être assez simple, hein. Il suffit simplement que je surélève la casserole. D'ailleurs, on va utiliser les bougies, tiens, je vais pas me faire chier. Donc, il y a un petit peu d'eau dans la casserole, j'y mets le thermomètre, et pour commencer, on va voir si une seule bougie suffirait à faire bouillir l'eau, ou du moins à la chauffer. C'est parti, on la place là-dessous, et il n'y a plus qu'à attendre. C'est génial. Moi, j'aime bien les LQC comme ça, où, voilà, j'installe le truc, et puis après, moi, je peux faire ce que je veux. Mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je vais attendre 10 minutes et ensuite je regarderai le thermomètre, voir si la température a augmenté. Et en attendant, ben, moi je vais jouer un petit peu, hein. Il n'y a pas de raison. Bon, la bougie brûle toujours, ça déjà c'est bien. Donc voilà, ça fait 10 minutes que j'attends, donc on va regarder le thermomètre. Déjà je touche l'eau et elle est toujours froide en fait. La température a augmenté. Elle était à 19 degrés avant que je la mette dans la casserole et là elle est à 23 voire 24 degrés. Donc elle a quand même pris quelques degrés. Voilà, maintenant on peut pas dire que ce soit de l'eau chaude ni même qu'elle soit en train de bouillir. Donc on va rajouter des bougies et voir combien il en faut pour que tout ça, ça bouille. On va accélérer un peu les choses. Maintenant je vais mettre deux bougies de plus pour qu'on en ait trois au total. La température de base est de 23 degrés. On va voir jusqu'où on peut monter avec trois bougies. Je vais éteindre celle-ci. Qu'elle est presque finie et en allumer trois nouvelles. Parce que forcément, quand la mèche est longue, bah, ça touche limite le cul de la casserole, quoi. Donc je me dis que ça doit peut-être faire chauffer plus vite le truc. Et pendant que l'eau chauffe, j'ai quelque chose à vous dire. Quand on vous dit que l'eau bout à 100 degrés, c'est vrai, mais cette température peut varier. Tout dépend de la pression qui vous entoure. Plus la pression augmente, plus la température d'ébullition est élevée. Il faudra donc chauffer plus pour avoir de la vapeur. Et c'est pour ça que dans les eaux très profondes, et quand je dis profondes, je parle de plusieurs kilomètres de profondeur, il est possible de croiser des courants d'eau très très chauds, au-delà de 100 degrés, et pourtant, il n'y a pas d'ébullition. Et à côté de ça, en haut du Mont Blanc, la pression est inférieure à celle du niveau 0, celle de ta cuisine, quoi. Et comme la pression est inférieure, eh bien l'eau bout à une température moins élevée, celle de 85 degrés au lieu de 100. Donc c'est le moment de regarder le thermomètre, ça fait à peu près un quart d'heure qu'il y a les trois bougies en dessous. Avant de le mettre dedans, il était à 23 degrés, et maintenant, ah nice, maintenant il est à 30 degrés, donc quand même ça chauffe très bien. Mais 30 degrés pour moi c'est pas assez, le thermomètre lui va jusqu'à 50, donc j'aimerais au moins arriver là. Et le mieux ce serait de faire carrément bouillir cette eau. Donc petit à petit je vais rajouter des bougies et on va essayer de faire bouillir tout ça. Et maintenant on va doubler le nombre de bougies, on va en mettre 6 et voir jusqu'où on peut monter. Allez, 1, 2, 3... Voilà, les 6 bougies sont mises, ça chauffe plutôt bien, mais pour maximiser nos chances, on va descendre la casserole d'un niveau. Voilà, bon maintenant vous connaissez le principe, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, je retourne à mon jeu. Avec 6 bougies, j'ai réussi à atteindre quand même 45 degrés, ce qui est vraiment pas mal, donc je pense que j'ai bien fait de baisser la casserole. On commence à voir des petites bulles au fond. Bon, je pense qu'il est temps d'accélérer vraiment les choses. On va mettre un maximum de bougies là-dessous. Essayer de faire bouillir ce truc le plus rapidement possible. Par contre, ça va être peut-être un peu dangereux, donc j'aurais besoin d'un... quelqu'un avec un extincteur, là, s'il vous plaît. Ben, merci, gros, hein. Bah, de rien. C'est plaisir. Je t'ai invité parce que je savais que t'avais pas grand-chose à faire. Vraiment, non. J'ai des trucs à faire, en fait, Hugo. Non. Si. Tu vas pas me faire croire que maintenant que t'as fait ton grand retour, monsieur tourne des vidéos tous les jours, a beaucoup de travail et machin, quoi. Pas à moi. Bon, fais attention quand même, hein. Normalement, il devrait rien nous arriver. Enfin, surtout que t'es là avec l'extincteur, quoi, donc... Ouais, je suis prêt, franchement, c'est un truc. Sur les starting blocks. Évidemment. Alors, où est-ce que je pourrais la passer, celle-là, ici? Il y a combien de bougies? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bougies. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va attendre quoi? Un quart d'heure? Eh, ça marche vraiment bien là, pour le coup, il y a un peu de fumée qui s'échappe. Alors je sais pas si c'est de la fumée du dessous qui longe les parois de la casserole et qui ressort. Non, ça vient de l'eau là. On monte, on est presque à 50 degrés maintenant. On va manger, Hugo? Alors dans 2-3 heures, je mets les pâtes et puis c'est bon, je pense, hein. Tu peux attendre encore un petit peu. Ça te va bien en plus.
Ça me fait chier un peu. Non, c'est dans la tête, ça. Donc le thermomètre indique 50 degrés, mais vu la fumée qui se dégage, ça va au-delà de ça. Je sais pas vraiment à combien on est. Mais en tout cas, on peut pas encore parler d'ébullition. A few moments later. Alors j'avais arrêté la caméra quelques instants et en fait tout est parti en couille. Le mec qui s'occupait de l'extincteur est parti parce qu'il en avait marre, donc je me retrouve tout seul. La casserole s'est cassée la gueule parce que les bougies sur lesquelles elle reposait ont fondu, donc elle est tombée. Et en plus, le thermomètre est cassé. Voilà, il est bloqué à 50 degrés alors que l'eau est complètement froide. Donc c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai mis 3 tasses sous la casserole, comme ça on est sûr que ça va pas fondre. J'ai repris 12 bougies et puis bah, on recommence tout à zéro, ma gueule. Et ouais! Ok, donc là, l'eau commence à vraiment chauffer, il y a de la fumée qui se dégage, il y a même des petites bulles qui se forment sur le fond de la casserole. Mais le souci, c'est que les bougies commencent à s'éteindre, donc voilà, je vais devoir les enlever, en mettre des nouvelles et faire ça rapidement pour que l'eau n'ait pas le temps de refroidir. C'est parti! Bon, du coup, je pense que je vais arrêter l'expérience ici, parce que voilà, j'ai mis une deuxième fournée de bougies qui, au final, commence déjà à s'éteindre. En plus, l'eau s'évapore et malgré le fait qu'il y ait de moins en moins d'eau, ça ne bout toujours pas. Voilà, il y a toujours de la fumée, quelques petites bulles au fond de la casserole, mais on peut vraiment pas parler d'ébullition. Ce qui m'amène à penser qu'apparemment, non, on ne peut pas faire bouillir de l'eau avec des bougies. Bon après, voilà, on a réussi à faire monter la température jusqu'à 50 degrés, voire même plus, on l'a vu avec le thermomètre, mais ce n'est pas suffisant pour créer une réelle ébullition. Après, voilà. Peut-être que si je fais ça en haut du Mont Blanc, j'aurai ma chance. Enfin bref, si cette question compte à plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi! Aujourd'hui, je réponds à la question de Tipeee Bleu, dis-moi pourquoi les smileys sont jaunes. Et si tu kiffes vraiment les LQC, tu peux toujours acheter le livre des questions cons. Elles sont quasiment toutes inédites et ça, c'est juste pour toi, bébé. Bon, hey Joe, ce soir, pour me faire pardonner, je me suis dit que j'allais me faire des pas de bolo, ça te va? Nice. Bon, on mange dans 4 heures. Hein. C'est pas grave.